live, je crois. Pas mal d'activités, j'ai aucun bruit de tonnerre. Du tout fan de filmer la nuit parce que j'arrive pas à me rendre compte si vous visionnez les impacts. Moi j'en vois là. Voilà, le temps d'attendre qu'il y ait l'activité, ça fait tout noir, quoi. Le téléspectateur, regarder un écran noir, moi je suis pas fan, hein. Moi le premier. Alors en plus c'est caché derrière un rideau de pluie, je suis en train de me rendre compte, moi je vois les impacts. crois que je vais couper parce que j'ai un appareil qui fait pas profiter. Là, vous avez rien vu. Putain, mais c'est pas vrai, c'est quoi ce bordel? En tout cas, je vous explique le topo. Je suis monté sur une colline où est une toute petite maison, une petite ferme, perchée au milieu de nulle part. Je suis monté sur des bottes de paille, tout un tas de bottes de paille. Il y a le chien qui d'habitude me fait chier quand je viens ici, il aboie tout le temps. Et bien, il est monté sur les bottes de paille avec moi. Il est juste là, je le filme, mais on ne le voit pas parce qu'il est noir. Donc, c'est clair au fond. Voilà, c'est le kiff quoi. Les enfants sont couchés. Alors, je viens de voir qu'on a vu un peu sur mon écran. Ça flash beaucoup. Voilà, j'essaie de vous faire partager cette ambiance d'air très chaud. Vacances et tout ça, c'est magnifique. Remarque que les impacts qui sont derrière le rideau de pluie, vous voyez que dalle. Et comme 90% sont derrière, je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous fasse patienter tout ce temps pour visionner qu'un écran noir. Et pour vous dire la vérité, moi je suis en train de... Je regarde peu mon écran et je regarde le ciel pour de vrai. Ah là, je pense qu'on a fait quand même. Merde. Très très beau. Hein. Cette ambiance là, vous voyez quand vous êtes allé en Espagne, quand vous alliez en Espagne, que vous étiez gamin avec vos parents le soir. Après la plage pour aller manger à 10h30 là, vous vous retrouvez sur le littoral et que vous faites la promenade après avoir mangé, à l'heure de manger la glace, cette température, ce petit vent là comme ça, c'est exactement pareil. Yes. Je raconte ma life, vous allez me prendre pour un débile mais ah, ça fait du bien. Alors j'ai des éclairs qui sont derrière moi là, ça fait 3 qu'il y en a eu 3. Je sais pas d'où ça vient. Ah. Salut Flo. Salut Flo. D'ailleurs je m'apprêtais à te poser la question, comment s'appellent les éclairs qui passent quand il n'y a pas d'impact quoi, très horizontaux. Voilà, très horizontale sur la ligne d'horizon et qui n'a pas d'impact. Comment ça s'appelle? Ça a un nom, je crois. Intranuageux. Voilà, merci. Super sympa. Ah oui, inter, pardon. J'ai pas mis mes lunettes. J'ai l'écran devant les yeux. Internuageux, ouais. Trois impacts à l'ouest de Montauban sur le radar. À l'ouest. enfin bon voilà, j'ai pas ce super matos pour capturer, pour mais le kiff est total. Je sens mes premières petites gouttes de micro-pluie. Donc ouais, voilà, j'ai eu quelques internuageux au-dessus de la tête là. Ah, parce que là ce que je filme c'est plutôt maintenant là je filme vers les Pyrénées-Orientales en fait. Alors que Montauban. D'accord, ok, allez. Ça, je vais regarder avant de partir. Putain, il y en a de partout là. Waouh! Et il pleut, ça y est. Avant de partir, c'est ce que j'ai regardé. J'ai. D'accord, ouais. Parce que moi, si j'ai la pluie, je vais pas pouvoir rester comme ça. Mais là, c'est vrai que maintenant, je me suis tourné vers Montauban, comme tu m'as suggéré. Alors, il y a moins d'intensité au niveau du nombre. Mais c'est plus clair, j'ai pas les rideaux de pluie. Ah. Putain, mais comment vous êtes patient à regarder un téléphone, un écran tout noir comme ça, sans sentir le vent, sans sentir la chaleur, l'humidité. Et le chien qui remonte avec moi sur les bottes de paille. En fait, je suis entouré, je suis vraiment entre les deux. Ouais. Bah écoute, hein, moi j'ai eu du bol parce que quand c'est le soir après 21h15, les enfants sont couchés, je peux partir. Oh, putain, je vais avoir... Eh oui. Quelques minutes par semaine de liberté, c'est pas mal, Flo. Et je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu quelque chose. Il y a un feu d'artifice là-bas. Voilà, ce qui clignote, c'est un feu d'artifice. Oh putain, l'impact qu'il y a eu du côté Montauban. Allez, je reste fixé vers là maintenant. Torse nu là, debout sur mes bottes de paille. Kiff total. C'est quand même spécial l'ambiance avec ce feu d'artifice à droite. Dans mon dos, ce que je filmais au début. Maintenant, je suis vers Montauban. En tout cas, je vois que la santé de mon stream est sur le site la BamBuzer à 100%. Je chute pas du 100%. C'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'était un peu excentré. Ouais, c'était joli, ouais. C'était bleu électrique. ce qui est dans mon dos maintenant, ce qui va vers la côte là, c'est ça glisse trop vite. Et c'est balancé par la pluie, on voit plus que dalle. Ah, eh ben là j'ai le son du j'ai le son du tonnerre de l'éclair que je viens de capturer là. Le vent s'est complètement calmé tout d'un coup. Ça repart. J'ai l'impression que les avions de ligne passent au-dessus de ma tête justement parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas d'orage. Là j'en entends un ou deux. Je les ai vus partir de Toulouse là. Ah là là, ça s'éclaire vers... En fait, je suis entouré de pluie. Hein. Comment pourrait-on faire pour avoir un smartphone qui capture... qui a une super sensibilité à la lumière, à la nuit? Quand même, ça serait cool. Que ce que je vois avec mes yeux, vous puissiez le voir sur... C'est bizarre, hein? Oh putain, j'ai eu un putain de lac Martinique. Je vous l'avais pas vu. Il était magnifique. Ah, et moi je m'étais un peu excentré. Ah. L'ambiance est extraordinaire. J'ai 360 moins 90, je sais pas combien ça fait, mais genre voilà, 280 degrés de, entouré de perturbations électriques, de la pluie, du vent, juste de la fenêtre devant, voilà, devant moi, Toulouse, là, il n'y a rien. J'attends le reste. Sauf que voilà la vraie pluie. Ça y est. Ah mais voilà, il y a une vraie pluie. Ça y est, il pleut. Moi je me casse. Je vais dans la bagnole, je vais pas rester sous la pluie. Hein. Ah voilà la flotte, fait chier. Allez, je vais faire. J'essaie de trouver un endroit. Je vais filmer depuis la bagnole. Putain, j'ai raté un impact, c'est chier. Ah, je descends les bosses de fire. Ah. Où ça? Oh putain. Bon. Ça m'ennuie de vous faire... Attends, je vais mettre le t-shirt. C'est vrai que là... Voilà la pluie. Oh, fait chier quand ça mouille. Allez, ça s'est arrêté. On va ressortir. C'est un peu bizarre, hein? J'ai l'impression d'être dans un petit couloir de calme. De clôture là. Je suis dans un endroit super rigide. Qu'est-ce que c'est canon ici, bon, franchement. Autant pis, rien à foutre. Hein. Je filme même s'il n'y a rien à voir. Ceux qui voudront regarder 70 minutes de film pour voir un 6 impact, tant pis. Là, vous avez vu. Possible. Alors, il y a des impacts qui se posent. En fait, quand ils sont jaunes, moi je les vois jaunes, j'ai l'impression qu'ils ne se voient pas sur l'écran. Et quand ils sont blancs ou bleus, j'ai l'impression qu'on les voit sur l'écran. Si Flo m'écoute, est-ce qu'il peut me répondre pourquoi? Ah, voilà! Vous savez quoi? Je vois à l'œil nu et j'entends la pluie arriver, mais la grosse pluie, si je ne me trompe pas. Et je l'entends, j'ai la pluie à 1 km, une pluie de forte. Ouais. Ah si, je suis presque sûr. Ouais, j'ai la grosse pluie qui arrive. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je la vois et je l'entends. Je vais me faire tremper. Bon, est-ce que vous avez vu cet impact-là? Je suis curieux de savoir. Là, j'étais devant, il y a eu un petit impact. Et moi, je les vois orange-jaune quand je regarde avec mes yeux. Derrière la pluie. Et j'ai l'impression de ne pas les voir sur l'écran. Oui, ça veut dire, tu l'as vu. Ok. Ah putain, mais moi je les vois pas sur l'écran. Là il y a une autre magnifique. Ok, j'ai l'appli qui est là dans 40 secondes. Ah c'est cool, je suis arrivé au bon moment, juste avant. Voilà. C'est la fin des haricots. Je vais peut-être pas filmer depuis la bagnole avec les essuie-glaces qui tournent et tout ça. C'est pas naturel. C'est pas mon genre. Ok? Moi, je veux immerger dans la nature. Ok, allez. Voilà. Dès que je me sens un peu trempé, je coupe. Là, ça y est, ça arrive. Hein. Avec plaisir, Flo. Merci à tous. Ouais, je profite. Allez, je vais refermer tout ça là. Voilà la pluie! Ciao! Bisous et câlins à tous! Ciao! Putain, je me trempe! Oui! Ciao! Wouhou!